Parce que, je veux dire, fondamentalement, nous sommes dans une culture, mais ça, ça fait des siècles, au moins deux ou trois siècles, nous sommes dans une culture du faire, de la performance. On nous parle d'être performant. On nous parle de la maîtrise des choses, de la maîtrise sur les événements. On est tous très inquiets quand la météo est telle qu'on n'arrive plus à la maîtriser. Donc on est perdu. On est dans cette culture du possible. Je sais faire, je peux faire. Et puis il arrive un moment donné où, parce que je suis malade, parce que je suis en situation de handicap, ou tout simplement parce que mon corps commence à ployer sous le grand âge, je m'aperçois que je ne peux plus faire, que je suis en quelque sorte dans un impossible. Je vais manier un jeu de mots, je suis dans un impossible du possible. Je ne peux plus le faire, voilà. Dans le sort de chaque être humain, dans sa dignité sauvegardée ou perdue, se joue l'idée de l'humanité toute entière. Le développement de la société et des techniques dans le domaine biomédical sont source de progrès considérables, notamment pour la santé humaine. Mais leurs implications soulèvent également des questions fondamentales mettant en jeu notre vision de l'homme et de sa place dans la société, la protection de la dignité humaine et de l'intégrité de la personne, de ses droits et de sa liberté. Plaisir à citer parce que je pense ne pas être la seule à vouloir être convaincue que vieillir est une chance. Donc le titre de ce livre est « La chance de vieillir ». Qu'est-ce que c'est qu'être vieux? Je voudrais répondre, c'est vivre. Ne perdons jamais ça de vue, vieillir c'est vivre. C'est Michel Philibert qui était philosophe grenoblois, qui a été en France l'un des pionniers de la gérontologie, qui avait cette phrase un peu aphorisme, très simple, mais qui ne me lâche jamais. Il disait « Demain, je serai un peu plus vieux ou je serai mort ». C'est brutal, mais c'est la réalité. Je n'ai pas d'autre solution pour être vivant encore que d'accepter de vieillir. Par conséquent, premier élément de réponse, qu'est-ce que c'est qu'être vieux? C'est vivre. Pourquoi l'image de la vieillesse est-elle alors perçue de manière tellement négative ?